Concernant la COVID-19, l'évaluation de sa gestion nous a permis de constater que des efforts énormes ont été fournis par le système de santé et des agents de santé ont payé un lourd tribut en termes d'infection, mais également en termes de décès. Car malgré sa classification en maladie professionnelle, au vu du tableau 46, aucun agent de santé malade de COVID-19 n'a été indemnisé et les familles des défunts n'ont bénéficié d'aucune prise en charge. C'est pourquoi le SAMES demande la revalorisation de l'indemnité de risque dérisoire des agents de santé, l'indemnisation des agents de santé victimes de COVID-19, l'intégration des enfants des agents de santé décédés parmi les pupilles de la nation et la décoration posthume des défunts. Et cette période de baisse drastique des cas doit être mise à profit pour assurer une bonne couverture vaccinale par une campagne de vaccination hardie, comme nous savons le faire. Mais cette campagne requiert la disponibilité de doses suffisantes. C'est pourquoi, pour réussir ce pari, la communauté internationale doit savoir que seule l'équité vaccinale et la redistribution des doses peut assurer l'élimination ou le contrôle de la COVID-19. Et que tant qu'une partie du monde ne sera pas correctement vaccinée, personne ne sera à l'abri d'une résurgence de la pandémie.